Zami Sport Sepam, bienvenue dans une nouvelle édition Sport Sepam. Nous comptons ensemble avec vous pour l'édition Jodia. Et nous parlons de comment l'équipe haïtienne à moins de 17 ans qui peut faire déplacement pour la République Dominicaine juste parce que l'équipe que vous avez dû jouer premier match à Antigua fait défection. Donc Haïti retardé et arrivé en République Dominicaine. Vous avez profité de jouer ça pour être capable de jouer un match amical face à des jeunes filles de Léogan. L'autre point à point ensemble avec vous, c'est Académie Lilo Haïti qui sous tous les fronts dans la compétition qui a fait dans ce sud Floride là. Nous attendons un extrait de entraîneur pour l'ingé au micro de Herbie Richmond. Et puis fanatique en football qui peut-être t'a demandé qui leur compétition yo pral ouvri, qui sa commission de normalisation a fait. Donc l'hypoco pour bientôt parce que selon des déclarations de docteur Janvier au micro de deux journalistes de Radio Caraïbe, il dit que processus là très très long. Ça veut dire que commission de normalisation pral gain 3 ans là. Non pas attendre, non pas senti rien qui a fait à part de sélection qui a déplacé. Et donc on a répondre les propos de docteur Janvier, processus a très très long. Donc peut-être attendons pas étonné si nous joignons on 3 autres années encore pour commission de normalisation mettre les points sur les i, répondre avec tout point que FIFA demander là pour le faire, notamment yon nan sa qui très important, c'est remaniement des statuts. Donc yo passé 2 ans et quelques mois là pour qu'au fait peut-être y a fait li et nan jou k'ap vini yo, ou bien comme processus là très très long, FIFA comme c'est lui même qui a dirigé, qui a choisi pour kembe moun sa yo en place, ou bien mettez l'autre nouvelle tête nan commission de normalisation, nous même c'est tan n'ap tan. Donc tant qu'on te dwe ekip ayisyen nan te dwe jwe premier match demain vendredi a contre Antigua et Barbuda, et ekip sa li fè défection. Donc an du même coup ekip ayisyen nan li retardé déplacement ni li rete en Haïti et li profite de ça pour li te fè yon match chauffé jarret, un match amical entre ekip nos jeunes grenadiers et des jeunes filles de Léogan, match qui finit 4-0. Donc nous espérons que comme nous tendez un mauvais temps et dans zone là, nous souhaitons que dirigeants yo prend toute disposition pour faire que mesdames yo arrivé en safely dans République Dominicaine. Et puis l'autre point local que nous avons, c'est expatriés mais qui concernait Haïti, c'est les Grenadiers de l'île Haïti qui t'ai fait un bon départ et premier match que ont joué week-end écoulé à match que ont gagné 2-1. Il y a été gagné un autre match entre Haïti, les Grenadiers et Spring de Miami, match que Grenadiers yo c'est dans catégorie senior je pense, hein, bat 3-0. Et puis les filles de U17 moins de 17 ans yo perdu face à ESM 0-3. Donc sous 3 matchs nous fait 2 victoires, c'est pas mal du tout, d'autant que de l'autre match c'était des matchs amicaux. Et donc en attendant yon extrait les déclarations de Paulin Jean qui entraînait Grenadier Noyo qui fait un bon départ. Donc pour l'instant c'est entraîneur de nos Grenadiers. Et parce que nous connaissons un résultat, il n'est pas seulement venu de joueurs et nous-mêmes comme entraîneur, c'est tout un staff qui travaille. Je pense que nous devons continuer de travailler sur le même lancer ça. Et un bon entrée dans le championnat. Premier match nous faisons victoire. Je pense que il y a un peu de travail qui vous fait malgré victoire là, il y a un peu de été corrigé. Et ça fait que déjà nous parlons de terrain pour corriger ça qui a été corrigé. Alors, il y a une équipe super organisée et en pile, on dit même pas au moment, tu pensais que le match n'est pas de même, il est réel. Bon, oui, on va toujours venir ça dans le match parce qu'on est une question de concentration. Ça qui a travaillé sur lui, nous demandons monsieur, il faut toujours été focus, il était concentré. Et même si nous avons un score,
depuis le match a beaucoup fini, nous avons intérêt pour nous concentrer et focus. Et ça fait pas un moment que quelques tirs qui étaient glissés. Et nous pensons que ça fait partie de la vie du football. Nous-mêmes, comme entraîneurs qui là, qui ouvrent ça qui passe, nous avons le devoir pour nous retourner sur le terrain, essayer de travailler le plus possible pour nous capables d'essayer et mettre dans une situation pour capable faire le moins d'erreurs possible dans le prochain match pour nous capables commencer à rejoindre l'autre victoire et l'autre image. Alors, tactique, physique et technique, point de satisfaction, coach Paulin, pour nous finir. Pour satisfaction jusqu'à présent, c'est sur le plan de jeu que nous gagnons, hein, parce que la première intention, c'est que l'équipe ça nous voulait la jouer. Et nous n'avons pas pour courir des ballons. Il faut que nous avons des ballons, c'est accepter, faire possession et jouer. Et quel que soit le niveau de pression que l'adversaire est capable de mettre sur nous, mais nous-mêmes, nous avons le devoir pour nous essayer de garder le ballon le plus possible, essayer de préparer cette play-o et arriver devant le camp pour nous capable de finir l'action. Et automatiquement, que nous perdons le ballon, transition, il faut que nous fassions rapide. Je pense que ça, c'est des points positifs que nous tirons et nous pour nous continuer de travailler pour nous capable de faire une perfection. Puis, on a quitté avec les propos de Dr. Janvier, qui est un ancien membre de Victory, et donc qui t'a répondu des propos, monsieur, il est très bien imbu de ça qu'il a fait. Peut-être, monsieur, il a oreilles, bon commission de normalisation. Il n'est pas porte-parole, mais quand même, il est bien branché. Donc, nous allons quitter ensemble avec lui pour le capable bail. Déclaration ni côté libéral parler de ça qui a fait, de ça qui t'a supposé faire, de ça pas fait, de ça qui pral fait. Famille footballeur, d'autant plus que vous êtes ancien président et Victory et vous êtes même candidat pour être vice président fédération haïtienne football. Je ne veux dire en cause insécurité, sport en général dans le pays by problème, en particulier dans la zone métropolitaine là, et on a l'impression que ça va au décrescendo. On se demande quelle est la solution. Bon, alors nous-mêmes nous prenons comme qui dirait et insécurité qui c'est le premier problème. Non, à mon avis, c'est pas du tout ça. C'est vrai, parce que même si pas de sécurité, le football n'est pas joué dans le pays. Ok? Parce que faut nous garder bien, oui. Le nombre de lettres de FIFA. Vous voyez, pour le dire que la milité, comité de normalisation, c'est pour un problème spécifique, oui. C'est parce que il y a des gros anomalies, des bails graves qui ont passé dans la gouvernance sport en pays d'Haïti, dans la gouvernance fédération. Il estimait que pour le football, là, jouer, par une autre solution, c'est retirer la fédération, mettre la commission de normalisation. Et dit, réforme ça, c'est pour un long processus. Ça veut dire que ça prend plus de temps avant de régler. Donc je veux dire que ce problème ça qui est là, c'est que c'est pas le problème, non. Okay? C'est que ce qui est venu après, parce que ce qui est dans le football, là, nous devons mettre boulé. C'est bon, nous devons mettre. Tandis que ça dépend uniquement de FIFA. Ok, donc. On va continuer. Parce qu'à ce qui paraît, oui, à ce qui paraît, FIFA, bah, nous, depuis 2015, depuis 2007, FIFA a commencé avec nous, avec le développement du football en Haïti. Donc, document là. Et puis, depuis 2010, il était dans une série de mesures qu'on prend. Pour être capable de bénéficier des programmes pour faire à nous aider professionnalisation. En 2010, à cause du cyclone, ils ont venu reporter pour nous en 2013. Donc, c'est une belle période. Côté Victory, il y a fort plus d'efforts pour être capable de répondre à la carrière de chance. Hein? Parce que je ne suis pas tellement de lui-même, c'est pour 10 équipes. Le père n'a dit, bon, ça en fait, elle est chaud. Tout le monde est là, et ouais, c'est tout, qui a invité tout le monde. Mais mon cher, on dit, bon, il est reporté pour nous pour 2013. En 2013, on était supposé faire premier bail, parce que très bientôt, il va pas nous cahier de charge. Et
mon nom bagaille qui te gagné en 2013 là pour bah là c'était nombre d'équipes là faut arriver avec 12 rounds après pile d'effort 4 équipes descendent monter effectivement nous t'ai paré pour 12 équipes là et puis en 2013 nous on va passer là bon fédération obligé fait à 16 encore. Alors, où dit quoi bagay qui passé, docteur Janvier, est-ce qu'on a dit avec un petit peu plus de précision qui s'est passé? Ça s'est passé, et fédération a une décision pour le prendre. Pas bien, non? Ou même nous avons devoir de bonne faire. Pour nous de bonne faire, réduit le nombre de clubs qui sont dans le championnat première division hein, à 12. Mm-hmm. À 10, nous fait. Bah, nous étions pris, on était à 12 pour nous. On était à 12 pour nous. Okay? Donc, on fait un pile d'efforts pour arriver avec 12. Et puis, moi, c'était mon bar à approcher à ça. Bon, mon gars, Victor était là. Victor était mon gars avec Cavalli, tête chargée. Bon, on va avec ça. Mais, en définitive, bon, pas un problème. Non, sur ça. Mais ça peut être important pour moi, c'est pas carré, c'est pas victoire. C'est une décision parce que pour nous, nous pouvons changer le football en Haïti. Alors, excusez, docteur, je vais essayer de faire tout à fait à Gavel. Et vous dites cette décision, c'est qui décision le DE? Ma décision, c'était ça. C'est pour nous mettre carré nos propres pour les 12. Mais la fédération, le même comité exécutif, là, fait le contraire. Lui fait une décision, il mettait le nombre d'équipe là à 16. Bon. Et puis ensuite, il connaît non seulement ça, et puis ici, on décret, il déclarait le football haïtien professionnel. Bon, c'est là depuis ça, et le problème football a commencé. Mais honnêtement, selon même football haïtien, dans l'époque là, il n'y a pas de cas professionnel. Non, alors, mon professionnel là, c'est un bail qui fait mon peur. Ok? Parce que quand on a parlé à voilà, depuis 2015, FIFA impose nous ça. Il a imposé que les clubs à jouer, alors, franchement, ils font choix. Soit nous avons un football élite qui permet nous à rencontrer équipe qui est élite, ou bien nous jouons football amateur. Nous ne jouons pas. Alors moi, je connais qui mettait ce football Edith Lamier. Est-ce vrai? Parce que le football professionnel et amateur, c'est ça la différence. Fait jouer malheureux. Est-ce qu'on comprend? Fait entraîner par à toucher. L'entraîneur mourir, c'est comment marathon a fait. Si on compte pas sur ta propre dirigeant, bah, ça m'a donné. Est-ce vrai? Donc, moi, je connais le football Edith Lamier. Donc j'ai dans le début et intervention là on parlait de insécurité qui vraiment pas à la base de problème football pas joué à et journée jodi a si ou t'as en place et capable de responsable comité normalisation là, et qui formule les propositions ou t'as gagné nous fond que Haïti bon pays qui est unique. Tout ça va être passé en Haïti, les passes vont compter déjà. Et les étudiants déjà, ils ont joué nos solutions pour lui. Ok? Le problème de Gada, ce n'est pas un problème de. Bon, la sécurité, c'est vrai, il y a donne. Ok? Mais la sécurité, je ne dis pas moi. Où est-ce que je vais venir ici? Je vais une solution pour la sécurité. Je vais tout côté du pays. Donc, non, c'est-à-dire que ma bonne référence. Parce que même, notre samedi, pour pas bon référence, ok? À regarder qu'il s'est fait au Tchad. Au Tchad, c'est en commission de normalisation qui a fait un championnat national et puis tandis moi, il y a une zonale qui fait par zone, ok? Mon modèle, ok? Et qui m'a inventé une bonne référence là. Ou qu'a fait une zonale? Ou qu'a inventé même genre époque Covid, est-ce vrai? Et on a tout une très réunion à Zoom de ça. Il faut qu'on adapte intelligemment. Pour moi, ça, mais tu dis déjà
possible. Afin de faire pour la zone là, li possible en Haïti. Mais, bon, gros problème, qui fait bah, ça frapper nous fort, c'est ça qu'il faut découvrir dans le problème de gouvernance. Là. Nous avons un problème de ligue. Ok? Football en Haïti, il est basé sur équipe football. Non. Alors, c'est une découverte que FIFA fait. L'offre assemblée générale, ça nous a des congrès ici. C'est Ligue qui n'a congrès. Ce n'est pas équipe football. Ok? Tandis qu'à partir de 2015, FIFA a demandé soit faire football élite, soit on se demande à professionnel vers une, en ligue. Professionnel, en ligue amateur, en ligue pour football féminin, en ligue pour régional, en ligue pour football diversifié, ça c'est ça qui est futsal, beach soccer, vétéran, bah, ça. Ensuite, il faut que acteur football là représenté, association joueur, association football, association comme ça, Badoula, et entraîneur, association là, habite. Même parfois, nous faisons association des médecins de football. C'est vrai? Donc, c'est tout le monde sérieux qui vient pour voir décision. C'est pas un petit groupe monde. J'ai un statut à très longtemps. Depuis 2012, il faut demander pour changer le statut ça. Parce que ça lui permet que le football arrête dans un petit groupe monde. Et FIFA dit dans le ça que du vrai que les gars font abus de pouvoir. Ok? Donc, c'est ça le problème. Le problème de l'église. Si vous avez une ligue du Nord, une ligue du Sud, à n'importe quel gars foncé qu'on a grand Sud là, capacité est très bien. Mais, c'est pas football organisé. Ça veut dire que c'est pas football qui est sous l'obligation FIFA. Ok? Donc, ça n'a pas mérité qu'un aide, qu'une assistance. Donc, c'est ça lié. Le problème de la Rouen, c'est un problème de lié. C'est un problème de ligue lié que fédération avant écrasé. Et ceci n'est pas bonne référence. Blanc t'a fait championnat, il a changé entre championnat et Coupe Adel et championnat national. Bah, ça a fait ses marques. Et ma bonne référence, à ce moment là, chercher tempête de ses marques, après histoire de tempête, les gars ont bien fait ça, ils m'ont fait une belle histoire. Côté de 42 ligues qui ont participé dans l'élection, ça. Côté c'est M. Célestin qui devient président, ok? Donc, toute ligue ça va disparaître, ok? Donc, ça veut dire que mes problèmes... Justement, président, et ça a été attiré attention, Richard, ça a été attiré attention, ensemble, et nous-mêmes dans Radio Caraïbe, c'est la disparition des ligues, parce que nous sommes longtemps, et une ligue, c'était l'INAF, et qui était qu'on, ben, un gros coup de main dans la question du football là, et comment expliquer la disparition des ligues? Non, ça c'est l'INAF par exemple. C'était ligue, c'est qui organisait le championnat, ok? Mais ça qui était bien important, l'INAF là tout. L'INAF qui est indépendant, est-ce que c'est pas le comité exécutif là qui t'a fait le championnat, qui t'a influencé le championnat, en moins, et qui t'a balancé tout le valeur. Après, ok, on se fait un faux mon côté indépendant qui pas dépend de monde. On va casser une membre exécutif là qui est responsable organisation championnat. Ok, donc ça c'est il va intégrer la dernière. Bon, il part fait ça. C'est tout bas ça il découvre. Oui. Non, ça va dire bah FIFA. Est-ce que FIFA découvre une bonne anomalie que c'est Haïti ça m'a fait. Est-ce que du que dans la Coupe d'Europe, nous avons que l'équipe Maccabi Haïfa pas arrivé à battre Young Boys la Kaili et ils ont vraiment maltraité Pierrot dans le match. Et des fautes qui est assez clair, mais habite là, peut-être les pas vraiment à cause monsieur Gonek, il dit ah, ou qu'a résisté avec Charles Sayo. Et tellement en fin match, monsieur, t'es dans une sorte d'argument avec habite là pour dire pour qu'il soit quitté ou maltraité comme ça dans un match. Donc, et prochain match, c'est à la huitaine. Donc, équipe Maccabi Haïfa a gagné
pour lui vraiment sortir le grand jeu, pour lui gagner équipe Young Boys là, la Cali a fait déplacement en Suisse pour y jouer Young Boys et de peu Young Boys était capable de prendre 3 points ça et la Cali à Maccabi Haïfa ça qui t'a fait tâche là beaucoup plus difficile pour eux-mêmes parce que bien que ils ont gagné un stade tout acquis à leur cause, un match tout un stade tout de vert, mais quand même ça pas suffi pour Tebay équipe Maccabi Haïfa la victoire. Donc Young Boys yo était bien négocié match yo, bien regroupé en défense et en attaque là qu'il a fait des attaques par contre, yo était manqué surprendre équipe Maccabi Haïfa. Donc nous souhaitons que parce que les pays haïtiens côté nous senti nous concernés quoi. Donc nous t'a souhaité que Maccabi Haïfa fait prend 3 points ça en déplacement, un seul petit goal si Maccabi t'a marqué l'étape faut de l'or. Donc ça t'a pral voyer équipe Maccabi Haïfa puis devant pour les joindre ticket li pour y aller dans Coupe d'Europe. Chers amis, c'est sous point ça au moins quitter au moins dire merci pour attention. Et puis, on a retrouvé tantôt pour une autre édition Sport Sepam. En attendant, gardez le sourire.